Une petite sieste demain après-midi. Oh là, il y a un live, Tony. Ah bah non. T'as lancé là? C'est Ah là. oui, ça y est. Hop. Ah bah comme ça, c'est, je peux plus rien écrire. Bravo. Vous entendez pas, vous entendez pas qui, Steph? Moi, c'est tout. Moi. Non, il vient de me dire qu'il n'y avait pas de son. Ah non, je viens de mettre le son. Ce qui est bizarre, c'est pourquoi vous m'entendiez sur Discord et pas eux. C'est ça qui est fou. Salut Jérémy. Sur OBS, t'as sélectionné quoi comme micro? Ah, Enfin, t'as pas dû. sur C'est OBS, sûr. ouais, non, non, il est bon. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez cette fois? Alors, Line M Audio R. Ouais, je dois être bon là. Ouais, c'est bon, C'est bon? ça fonctionne, ça Alors, donc, je fonctionne. refais toute l'intro, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Ce soir, au programme, on monte le camion au Bao avec son électronique. Donc, comme il est déjà monté, c'est une version, comment on dit, RTR roller, je crois. J'ai un peu du mal Roller. avec le terme roller, j'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire. Et voilà, donc, on va lui monter l'électronique pour. C'est le camion de monsieur Mathieu. Ah, voilà. Merci Mathieu d'avoir signalé que j'avais pas de son. Et puis je disais juste que je pense que Sébastien il va me taper, Sébastien Fossaire, parce que je suis sûr qu'il espérait qu'on continue son camion, c'est pas un camion, sa GTS Works, ça. Je suis Que tu sortes désolé. tes papiers. C'est juste une petite pause le temps de faire le camion au bas. Ça va aller vite. Alors on va dire un petit peu vite fait bonjour à tous ceux qui sont là. Donc salut Sébastien, salut Stéphane. Stéphane dit la loutre, salut Accro, salut Hugo, salut Mathieu, salut Match64, il y en a deux, et Jérémy, salut les gars. Qui d'autre? Steven, salut à toi. Et puis salut au Discord, ceux qui sont déjà présents dans le Discord. Salut tout le monde, c'est Rémi Modélise 59. Il vient d'arriver, lui. Salut Rémi. Ouais. Salut tout le monde, salut Tony. Ça va? Salut Attention, Tamia, salut Accro. Bon, Tony sûrement. va se désabonner, monsieur Foster. Oh non! Je suis fâché, je m'en doutais, Sébastien. Ouais, Salut toi, Dimitri. on l'a fallu qu'on me dise qu'il allait pas être content. Et ben voilà, il est pas content. M'en doutais. J'en avais marre de voir du S-Works. C'est de trop mauvaise qualité. Tiens, Tony. Salut Préfère Matt64. le Haut-Bao. Alors, on va donc monter ce petit camion, tout mignon. Et on va regarder la notice, même si je pense que j'en aurais pas forcément besoin. Donc, il est joli, il est fourni avec une antenne. C'était bien pour Oula, les anciennes radios, mais bon, actuellement, je vois plus trop l'intérêt. comme toutes les voitures, hein, de toute façon, j'ai envie de dire. Ouais, maintenant ils mettent des mini antennes parce qu'on a quand même des radios qui nécessitent parfois d'avoir Hey, des. Manu. Salut. On t'entend pas bien, Tamia, aujourd'hui. Ben, parce que tu m'as dit de tout baisser. Mais pas ton micro. Tes enceintes, mais pas ton micro. Vaut mieux qu'on ne l'entende pas, qu'on s'entende Oh, tous ça en va, même accro, hein. temps.
Puis Rémi va au lit. Non, non, c'est bon, je travaille pas demain, ça va. Alors. Tu travailles deux jours, puis t'as déjà congé demain. Non, il n'y a que le vendredi et dimanche que je travaille pas, donc ça va. Ouais, c'est bien. Ça va mieux, Tony, là, ou pas? Oui, c'est parfait. Merci. Comme dirait salut Bumblebee, salut. Bouge pas. Bouge pas. Salut Manu Bafou. Ouais, mais Mathieu Vigourou, je sais que t'es pas à la minute, mais ce que je fais pour Sébastien, il y en a... Sébastien, je ne veux plus du espoir. Sébastien. Sébastien. Tu peux me le donner, même s'il n'y a pas de ventilo, je le prends ensemble. Le problème avec le projet de Sébastien, sincèrement Mathieu, c'est qu'il y a encore... Il y a encore sacrément du travail, sans compter que Sébastien veut deux carrosseries pour le Truggy, deux carrosseries pour la GT. Donc je me dis que là, j'ai qu'une soirée à consacrer. J'en ai pour 2 heures maxi, peut-être plus, mais je finirai hors live si c'est le cas. Mais ça va aller correctement, ton projet il va aller vite. Et du coup, si tout se passe bien, samedi je l'envoie et tu l'auras semaine prochaine, même si t'es pas pressé. Mais pour Sébastien Fossel, il y a vraiment encore beaucoup de travail devant moi. Alors, on va poser la carrosserie là. Bonsoir Alexis, bienvenue, il me semble qu'on t'a jamais vu. Bienvenue. Salut Alexis. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? On n'a pas grand-chose comme pièce. Qui est là? Salut Stéphane! J'ai pas vu qu'il est arrivé. Bonsoir Monsieur Tony. Ça va Steph? Ça va, bonsoir Monsieur Rémi. Bah, les deux autres, j'ai été avec eux tout à l'heure. Salut Stéphane. Mais il y a Sébastien qui est là. Et bonsoir Monsieur Sébastien. Présentez vos papiers. Bonsoir à tous. Papier Rabbit. Bonsoir le chat. Bonsoir Tony et bonsoir le Discord. Oula. Tony, je vais montrer les dents. S'il vous plaît. Un peu de silence. Non, je plaisante, j'en veux à personne. Et Mathieu, ça, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Il a peur, Mathieu. Et les gars, t'es dans une cave sinon, Sébastien. Alors, pardon. T'es dans une cave sinon. Ça résonne. Ouais. Comme si t'étais dans une cave. Ouais, effectivement, ça résonne. Dis-le que t'es aux toilettes. Salut Olivier LF. Comment ça va? Salut Scania. Salut RC Mode. Salut Discord. Pascal Soudé. Salut Alexis. Bah dis donc, vous êtes déjà nombreux. N'oubliez pas de lâcher vos petits pouces en arrivant. Alors voilà, dans les pièces fournies avec le camion, il y a une espèce de paille. Voilà. Donc je sens que je vais pouvoir m'en servir. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette paille? C'est pas une paille. Eh hey, Sébastien, t'as vu ce bon ventilo? J'ai vu un super ventilo chez Tamia, ouais. Donc on a des outils. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit tir moteur. Ah. Alors Mathieu Vigourou, je ne suis pas aux toilettes. Ne t'inquiète pas, je suis dans une pièce à part parce que ma femme regarde la télé à côté. Pourtant on dirait que c'est les toilettes, hein, je te jure. Hein. Ah, ça résonne un peu plus ce soir alors. Ou alors, t'es à l'église. Non, c'est parce que je suis pas content peut-être. Non, c'est vrai que là, c'est très fort. C'est très fort. Bon Mathieu, alors, je vais baisser. Mathieu, premier problème. Micro en mode tunnel. Le pignon ne va pas sur cet axe moteur, Mathieu. Là, c'est un moteur d'un huitième, ça. Ouais, alors non, en fait, c'est un moteur d'un dixième, mais pour mais avec un axe d'un huitième. Enfin, c'est un moteur bâtard. Ouais, c'est un moteur d'un dixième avec un axe de 5. Oui, mais c'est pas ça, un kit d'un huitième. Ouais, en fait, c'est un kit combo avec un XR8. Mais c'est bien un moteur, c'est ça, je trouve c'est un peu bâtard comme solution. C'est un 3660, 3200 kV, mais pour un dixième. Ah, ouais, mais pour du. Ouais, mais pas pour couler un dixième. Bah, après, faut dire, ouais, le combo SCT, c'était pas prévu pour les shorkers, ça à la base.
Tu as des shortcuts, ils sont en module 1, donc pignon. Non, axe, le module ACT, c'est pour les 8e pistes, un rally game. C'est quel pignon que tu montes? Bah, je sais pas, dans le sachet, il y avait un 15. À moins que dans le colis que tu m'as envoyé, tu avais prévu un pignon. Je vais regarder ça. Je regarde le colis où tu l'as mis. Mathieu Vigouru, t'avais prévu un ventilo sur le moteur? Oui, il devait pas être de couleur bleue, non? Ah, le support bleu avec un support bleu, non? C'est pas ça? C'est fini. Oh là là. Salut, Mister G. Bienvenue. Salut Mister C, salut Olivier Lef. Ah, il a acheté un pignon de 23 à part, Tony. Exact. Exact. Bonsoir à tous. J'avais oublié. Bien vu, Mathieu. Il était dans le carton avec salut le ventilo Florent bleu. Bernier. Salut Mister G. Salut Florent, salut Mister. Mister salut quoi Florent. Mister G. Mister G. Alors oui, par contre, il me paraît très très grand ton pignon. Oh là 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 là. Combien? Un 23. Un 23. En 32 DP. C'est rare du 32 DP, moi j'avais jamais vu ça. Donc DP, c'est le module. Hop. Et regardez, ça c'est le pignon qui est fourni avec le camion. Et ça c'est le pignon que Mathieu a acheté. Donc avec le camion, c'est fourni un 15 dents. Et lui, il a acheté un 23. 23. Pourquoi t'as pris si grand? Ouais, il rentre même dedans, tellement pour vous dire. Hop. Pourquoi si grand? D'ailleurs, c'est un pignon de 23 qui est censé être fourni avec le combo. Il n'y a pas de pignon avec le combo? Bah non. Le combo de quoi? Il n'y a jamais de pignon avec un combo. Jamais de pignon, hein. Toujours acheté à part le combo. Le pignon, pardon. Comme les ventilos. Oh putain. Oh, ouais. J'ai une super idée. J'arrête. Mais hey, je suis sûr, Tamia, que c'est toi qui as mon ventilo. Non, non. C'est deux. Hey, je peux te dire que j'ai vérifié le colis à Tamia. Vous savez que Tamia, il m'a accusé de quelque chose. Oh, ça. Vous savez. Moi, je suis au courant, moi. Il faut que j'en parle, hein, quand même. Hein. Cette anecdote. C'est une anecdote cocasse. Moi, je vous le dis. Hein. Ah ouais. Oh, ah bon. Tamia, il a honte. Il n'est pas fier, je suis sûr. Il n'est pas fier. Non, hein. Je suis pas fier. Bah, dis-le. Raconte, tu vas faire un carton. Bonsoir Ludovic Rubin et puis bon anniversaire en retard. Alors. Ah. Salut Ludovic et bon anniversaire. Tu vas te coucher? Quoi? Quand il a acheté le combo, ah, c'était vas-y, marqué pignon de moteur 23 inclus. Je sais pas bien dans peu longtemps. Ah, ah bon? Ah, mais alors. Le temps. En tout cas, il était pas dans la boîte là. Mais c'est peut-être que inclus, ils le mettent. Peut-être pour le 10e, je sais pas. Ouais, c'est Space. Mais en tout cas, il y avait. Le Coralie, il était livré à côté, en tout cas. Voilà. Bon anniversaire à Ludovic. Bon anniversaire à Ludovic. Mais il était en 48 DP, ouais. Salut les Obaïstes, nous dit la Stunt Mania. Oh, oh là salut là. Salut la Stunt. Allez. Salut la Stunt. Salut la Stunt. Bienvenue dans le Discord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la Stunt Mania est un autre YouTuber très très sympathique. Tout à fait. Voilà. Donc, hop. Alors, pour ceux qui veulent faire un petit peu le tour des petites chaînes, qui essayent de se lancer et qui ont du mal à gagner des abonnés, eh ben, non, la Stunt, ça va. Vous pouvez aller voir sa chaîne, mais lui, il a facilement des abonnés. Mais par contre, là, on en a deux petits qui sont sur le Discord avec nous et qui ont du mal et ils veulent se lancer, mais ils ont du mal. Nous avons Tamiya Kit. Vous cherchez sa chaîne et Rémi Modelim du 59. Ils ont chacun des petites vidéos. Alors, ouais. Alors moi, Rémi Modelim 59 est plus facile à trouver que celle de Tamia. Hein. C'est vrai que celle de Tamia n'est pas facile à trouver. C'est possible. Alors, Tony, Mathieu Vigourou, il te dit que le pignon qui était normalement fourni avec le combo était en 48 DP. Ouais. Et il a dû commander le pignon Coralie en plus. Car il lui fallait un pignon de 32 DP. D'accord. Ah, t'as raison. Il y a un pignon encore en plus là-dessous. Exact. Ah oui, c'est du 48 DP, ouais. Ah bah dis donc. Ouais, alors par contre,
C'est quand même un petit pignon, et lui, il a quand même acheté un pignon monstrueux. J'ai un doute sur le fait qu'il passera. Mais 32 d'épée, c'est pas courant. Hein. Mais en tout cas, c'est bien. 32 d'épée pour rouler sur des parkings, ça va être plus résistant à la poussière. Donc là, j'ai du câble moteur. J'ai du câble sensor. On va tout mettre en dessous, au-dessus. Voilà. Dans cette boîte là, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben là aussi, on a un ventilateur de secours, de la gaine, des Colson, du petit câble, un câble, un autocollant. Ils sont moches les autocollants B-Wing. Voilà. Hop. J'ai pas tout ça dans mes boîtes, moi. Ah, tu vas pas faire ton Tamiya, hein? Olivier LF, bonsoir. Alors. Ah. Tony, as-tu reçu le mail de Olivier LF? Il y a quelques jours. Pour la déco des carreaux. Alors, c'était le 2 mars. J'en ai pas reçu depuis. Oui, j'ai reçu Olivier LF. Tout à fait. Par contre, bon, tu m'as mis des exemples de carrosserie. C'est gentil pour celle qui est en vert. Hein. C'est très gentil. Hein. Mais il y a plus d'autocollants de sponsors sur la carreau que je peux apercevoir la déco. Donc du coup, je tiendrai pas compte de l'exemple de la carrosserie verte. Mais les autres peintures au-dessus où il y a moins d'autocollants, là, je les vois parfaitement. Merci beaucoup. Bonsoir Obi-Vins. Salut Obi-Vins. Salut Obi-Vins. Bon, on va monter le cerveau pour commencer. Voilà. Donc un cerveau connect. Ok. Alors. Attends, c'est celui que j'ai mis sur mon camion aujourd'hui. C'est un 25 dents. Bonsoir Mika le Floch. Salut Mika le Flo. Salut Mika. Salut. Bah disons, vous êtes nombreux. Voilà, hop. Tu attaques quand la mienne? Les pouces. Tout de suite. Si, c'est prévu, je l'ai dit hier quand t'étais là, mais je crois que t'as pas dû l'entendre. Elle est là, c'est sur le, mon bureau. Elle est sur mon bureau, elle fait partie. Ben. Je vais en faire trois d'un coup, elle fait partie de ce lot-là, monsieur Jonathan. Donc pour. Lundi, elle sera faite. Voilà. Voilà. Alors, hop. Ouais, Stéphane 276, c'est un 25 dents, le pignon. Il n'est jamais marqué sur les boîtes, ça. Le pignon? Non, la tête du cerveau, c'est un 25 dents. Je sais pas. Ouais, ça a l'air. Bon, ça devient le standard aujourd'hui, le 25. Un combien en kilo le connect là? Alors le connect, c'est un. Je l'ai dit, c'est un 9,30 kg à 6 volts et 0,13 secondes pour 60 degrés. Ok. Et on avait dit le prix, quelqu'un avait dit le prix, je crois que c'était du genre 29 euros, un truc comme ça. C'est plus cher. Non, non, ça va. C'est un palonnier futaba, Tony. Attention, attention. Palonnier futaba. Ah bah ouais, si vu que c'est du 25, on dit que c'est du... Un avertissement en ligne. Alerte, monsieur Christophe Legros est là. Attention, attention. 19 euros. 67 est sur la ligne Paris-Le Havre. Qu'est-ce qu'il dit? Attention, attention. On ne donnait pas votre adresse. Salut Christophe. Mais vous êtes déchaînés, les mecs. Ça va, messieurs? Salut Christophe. Ça va? Bonsoir Christophe. Non mais t'inquiète, Tamiya, je vais tout pour les petits-enfants, je vais aussi. Mais non, mais je rigole, oh là là. Bonsoir monsieur Chris. Stéphane Rosero, j'ai bien vu ton message, merci. Pas de problème. Je m'occupe que des biquettes du voisin. Mais non, c'est pas sérieux. Au moins c'est chaud, hein. Oh Christophe. Avec une bonne paire de bottes, ça passe bien. Ah ouais, tout à fait. Hein. Mon Dieu.
Bon. Tamiya, il voit l'image, c'est que... Hein, hein. Bon, ça va? Oui, toi. Nickel. Ça va, mon routier va, préféré? Ouais, ouais, mon accro, ça se voit qu'il travaille pas demain. Hein. Là, il est en live ce soir. Alors, ça a été ce matin, Rémi? En France, vous avez des semaines de 3 jours. Mais... Comment, Tamiya? En France, vous avez des semaines de 3 jours. Mais... Non. Enfin, accro, oui, parce qu'il faut rien, mais... Non, Rémi aussi, il est déjà en repos, Rémi. T'es déjà en repos, Rémi? Accro. Ouais, demain, ouais. Je travaille pas. Steven, je sais pas. Accro, t'avais pas une photo compromettante à mettre, là? Bah, c'est vrai que tu l'as jamais mis, Florent, la photo compromettante. Elle a été malencontreusement effacée. Voilà. Ah, mince alors. Il a payé, ouais. Non, il m'a pas payé, mais j'aurais pu demander de l'argent. Ah, que je leur ai pas donné. Je vais en entendre, oula. Pareil. Ouais. Salut Pierre Descamps, comment il va? Alors désolé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... S-Works. Bonsoir Pierre Descamps. T'as loupé hier, bonsoir, Pierre. Oh bah merci beaucoup Stéphane pour le don. Comment ça se fait que je l'ai pas vu passer dans le chat? Tiens, c'est marrant ça. Ah, moi non plus, tiens. Je l'ai pas vu passer dans le chat le don. Une fois sur deux. Temps pour relancer. Et merci Julien aussi, merci à vous deux pour les dons. Alors, attendez. Ah, on les voit pas passer, ouais. C'est bizarre. Ils arrivent directement en Suisse. Non mais alors, c'est peut-être des fakes. Ils arrivent directement sur mon compte. Non. Ah tiens. Christophe, t'as pas fait de dons là? Non, c'est des fakes. Ouais, bon alors. Non, alors s'il passe pas dans le chat, c'est des bugs à mon avis comme ça. C'est des fake dons. Ah bah t'as reçu ça déconne, donc comme la dernière fois. Ouais. Ouais, des bugs, une sorte de bug, je sais pas quoi là. Merci ami. Mais bon, si vous voulez faire des dons de 500 euros, je veux bien. Ok, la Stan, à tout à l'heure. Bah dis donc. Là t'es en retard, Sébastien. Ah, je suis en retard. Non, Julien vient de faire un don de 2 850 €. Bah non, je suis pas en retard. Là. Mais tu te dis à la Stan tout à l'heure, il y a longtemps qu'il a marqué le message. Ah, non, à 22h19, il est 22h20. 22. 21. Oh, ça fait longtemps alors, t'as bien. Il est 22 en Suisse, ils sont encore précis. Tu savais qu'en Suisse, les Suisses, les minutes sont longues, c'est vrai. Hein. Ah ouais, c'est clair. Oh, ça tacle pas mal aussi, ça, c'est pas mal. Ça fait 60 secondes en Suisse. Hein. Salut, Orchiste. Tamiya est dans un espace-temps différent du nôtre. Ouais, t'as vu, Christophe, le beau ventilo que j'ai mis, Christophe, t'as vu? Comment, Tamiya? Le beau ventilo que j'ai mis sur le moteur. Attends. Sur le Discord? Ah ouais, c'est pas mal. C'est bien rangé, c'est propre. J'ai coupé l'alert box, là, parce qu'il y a plein de fakes, là, c'est... Ouais, c'est bon, là. Bah non, ça continue. Attends, je l'ai coupé, je comprends pas. Médéric 63, ça coûte cher, une 1/5. Bah oui. Oui, oui. Il l'a mis sur le Discord, mais si tu nous écoutes sur YouTube, une piste 1/5, ça coûte très très cher. Ah, c'est chiant, ça. Je vais bien dire vérifier sur le site pour mon combo moteur. C'est bien censé être un pignon moteur 23 dents qui est fourni. Mais c'est marrant, j'ai jamais vu de pignon avec les combos. Mais bon. Bah ouais, c'est bizarre, ouais. Ah ok, tu t'es contenté de prendre le même. Le problème, Mathieu, c'est que quand tu changes les dentures, les DP... Ah, c'est chiant, franchement, là. Comment je peux couper ça, moi? YouTube, faites quelque chose. C'est pénible. Et... J'en peux plus. Vous aussi, vous l'entendez, ce truc? Ouais. J'allais dire, on l'entendait plus et maintenant on l'entend. Mais non, moi je l'entends sans arrêt. J'en peux plus ce truc. Je sais pas quoi faire. Je l'ai désactivé et on l'entend encore. Bref. Du coup, ouais, je disais.
Ouais, j'arrive plus à parler là. À chaque fois que Tony va vouloir parler, boum, ça va sonner. C'est vrai que c'est chiant. C'est le serveur de Strasbourg qui a brûlé, qui déconne. De toute façon, Mathieu, un pignon, ça se change en une minute. Un pignon, c'est pas la mer à boire. Ce qu'il faut, c'est calculer ton rapport, ton ratio. Bonsoir, Pascal. Salut, Pascal. Ah, et là, c'est un vrai don qui vient de passer. Merci, Christophe. Ouais, Christophe. Ouais. C'était pour faire un test. Mille merci à toi. Merci beaucoup. Alors voilà, donc le cerveau, il est suspendu en hauteur, puisqu'en fait, il n'y a pas d'appui à l'extérieur. Et j'espère que ça va s'arrêter à un moment donné, le truc là. C'est toi, Christophe, qui l'a, je crois, le camion. Hein. Ouais, c'est moi. Ouais. Et ça donne quoi alors du coup par rapport au cerveau? Il n'y a pas de flex, rien? Ah non, nickel, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ça gêne aucun problème. Non, ça gêne rien. Ça bouge pas. Seul problème, je l'ai que ce soit là au bas haut, c'est la couronne qui dégage assez facilement dès qu'il y a un caillou. Ouais, bah. Et Christophe, sur le camion, est-ce que tu arrives à desserrer le palonnier avec un tournevis sans démonter le cerveau? Ouais, a priori, ouais. Oui. Ouais, c'est pas évident, mais ouais. Ah, ouais, j'espère que ça va s'arrêter. Quand tu vas peut-être parler chinois, pas savoir ce que c'est le palonnier ni le. Ah! Là c'est moche, une attaque comme ça à 22h25, le 27 mars. Non, mais Acro, il m'avait prévenu. Il m'a dit si tu poses une question technique à Christophe Legros et qu'il te répond oui, c'est qu'il sait pas. Et j'arrache ta belle carotte toute neuve le 27. Le gros. Je te la défonce ta carreau, mais t'as là. Déjà, faut que vous arriviez à me rattraper. Ah comme bah, il y en a un qui va te courser après. Moi, je vais faire une marche arrière. On va te serrer à deux. Il y a Pascal RC68 qui dit que Romano il y a eu le même problème. Ah, et je sais pas quoi faire. Les gars, j'ai désactivé l'alerte box. Oh. Non, mais c'est le serveur de Strasbourg qui a brûlé là. Ça fout une merde pas possible partout. Et j'espère que ça va se calmer. Oh là là. Si je coupe le son de l'ordi, on n'entend plus les gens sur le Discord. Tu les entends plus là? Non, c'est bon, on t'entend. Non. Alors là. C'est non, redémarre le live. Non, mais je vais. La chatbox, les donations, ça, j'enlève. Le Discord, ça, j'enlève. Je vais tout enlever temporairement. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bureau, plan bureau. Et là, on a les mêmes choses. Hop. Voilà. On entend toujours. Hein. Ça va. Ça va. On entend toujours Tamia. Hein. Ça, c'est pas normal. Il a coupé le live, Tony, et redémarré un live. À cause de ça? Apparemment. Et est-ce que ça va mieux chez Romano? Parce que je veux bien couper le live, mais je veux perdre la moitié des gens. Mais non, on va revenir. Bon. Ok. Eh ben, je coupe le live. Le temps de relancer. Retenter de revenir. Bonne nuit à tous, à demain. Dans 30 secondes. Bonne nuit. À tout de suite. Bonne nuit, Rémi.